الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Le mois Dhul-Hijja lui fait nous rappeler beaucoup ma grande personnalité. Et un parmi ban grand personnalité qui gagne sa wafat dans le mois Dhul-Hijja, c'est Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an. Il y a beaucoup ban leçons de sa vie, aujourd'hui, dans nos causes Réjoumoua, nous pouvons apprendre un peu concernant lui, ban leçons qu'il nous quitte pour nous, Allah donne tawfiq, nous comprend et nous mette les en pratique. Kisana sa, Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an. Alors, Sayyiduna Uthman fil né 6 ans après Amul Fil. Amul Fil veut dire l'année de l'éléphant. C'est-à-dire, tu arrives, c'est événement, Abraha, tu prends l'éléphant, tu rôdes, détruis à Kaaba Sharif, et dans sa même l'année, Nabi Karim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fil prend naissance. Ça, l'année-là, fil connaît comme l'année de l'éléphant. À cause, tu arrives, ça grand événement-là. Sayyiduna Uthman radiyallahu ta'ala an, li fin né 6 ans après Amul Fil. Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an, dans l'époque jahiliyat aussi, jamais l'in fait sajda pour une idole. C'est-à-dire, dans l'époque jahiliyat, quand tu es un shirk partout, Sayyiduna Uthman, jamais l'in fait sajda pour une idole, et aussi jamais l'in fait zina. Nous gagnons une parole, sous-parole, dans Sunan Abi Dawood, disant, فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَةٍ وَلَا إِسْلَامٍ قَطُّ disant, serment le Allah, moi, pas fin faire zina, jamais mon faire adultère, ni dans l'époque jahiliyat, et ni dans l'époque de l'islam. C'est-à-dire, même, li panko amen iman, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, panko commence propage islam, c'est en l'époque côté na zina partout, di moun sans aucun la honte peut faire zina. De sa zamana là aussi, Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu an, li fin reste loin avec zina, avec adultère. Et ça y a une leçon pour nous là, au commencement même, nous apprendre quelque chose. Aujourd'hui, nous peut vivre en l'époque côté la honte fin enlevée. Char mohaya, puis enlevée. Et du monde de jour en jour peut penser que commettre zina c'est quelque chose de normal. Je pas prends compte et je comment dire considérer il y a une affaire qui gagne droit faire ma'azallah qu'il est pas vrai. Zina li haram, adultère li haram et celui qui peut commettre ça, il peut commettre un grand gouna. Et si ma'azallah qui ken croit que zina li jaiz, ça du monde li en dé au islam. Parce que Coran, in, empêche faire zina. C'est un des mondiaux, gain droit faire zina, il y en a au islam. Alors, nous pas besoin, laisse-nous influencer par ce que du monde peut faire. Ça, c'est bien important. Du monde qui peut faire, nous pas besoin, laisse-nous influencer par ça.
d'un côté gouna. Oui, d'un côté neki, nous laissons influencer par ce que Dieu peut faire. Quelqu'un peut faire bon travail, il peut faire neki, il peut faire ibadat, c'est l'exemple de Pili. Mais si quelqu'un peut faire gouna, ou entouré avec ben Dieu qui plonge dans gouna, dans désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire ou bien imite ben là. Ou bien, quand nous arrivons à faire une erreur, nous disons, mais qui problème est là si moi je fais, lui aussi il peut faire ça. Mais ça, un tel qui peut faire ça, gouna là, est-ce que les dînes, est-ce que les Coran, les sunnats, non. Alors, même dans l'époque de fitna, restons avec fitna, c'est une grande chose. Sayyiduna Uthman, radiallahu ta'ala, il dit, moi je ne fais zina, même dans l'époque de jahiliyat et de l'islam, en tant que musulman, il ne pas faire zina même. Et aussi, il dit, voilà, ahbabtu anna li bidini badala mundhu hadani Allah. L'Ijia est jamais mofine content. Et l'autre religion apporte l'islam depuis le jour qu'Allah fait une guide moi. Quand mon vin musulman, mon content seulement islam maintenant. C'est-à-dire, mon din, c'est seulement islam. Mon pas content, l'autre din apporte islam. Ensuite, l'Ijia, voilà, qataltu nafsan. L'Ijia, jamais mon fait un crime. Jamais mon tout jimoun. Fabima yaktulunani. Allo, qui fait ben n'a plus envie de tuer moi. Ça, l'étudier quand man, djimoun, t'y a une fitna, un grand désordre. Maintenant, c'est un djimoun qui a envie de prendre la vie de Sayyiduna Uthman. Et ça, c'est un, comment dire, un triste événement qui n'arrivait dans nous l'histoire. Un djimoun qui, Sayyiduna Uthman, peina de l'eau dans Medina Munawwara. Qu'il en fait? L'in acheter un puits, un prix faux, et l'in donne ça, wakaf pour ban musulman. Ou gagne droit servir de l'eau, boire de l'eau, combien on envie. L'in vin khalifa de ban musulman, il fait beaucoup pour du monde. Mais finalement, finena ban qui pas reconnaissant. Finena ban qui, fin fait li, fin emprisonné dans son propre lacasse, ban ne signe de l'eau, et finalement ban la fin fait li shahid dans son lacasse même. Ça c'est réalité dunya. Du monde oublie vite. Rabbul Alamin, il pas oublié ne qui ou faire. Du monde oublie vite. Allô, li djabe qui fait ban a pi envie, tuille-moi. Sayyiduna Uthman radiyallahu ta'ala an, en parmi ce ban spécialité qui apporte li personne pan gain ça. Apporte li personne pan gain ça. C'est que Imam Bayhaqi li écrit ça, lam yajma'illahu bayna ibnatay nabiyyin mundhu khalaqa Allahu Adam ila an taquma as-sa'atu li ghayri Uthman ibn Affan radiyallahu an, falidhalika summiya dhan-nurayn. Allah subhanahu wa ta'ala pan fait une autre personne à part Othman radiyallahu an depuis Adam alayhi salam, et certainement il pourra aller jusqu'à Kayamat. Allah pan fait personne à part Sayyiduna Othman radiyallahu ta'ala an vint d'un nikah de un nabi se détifie un après l'autre. Allah pan fait personne vint d'un nikah de un nabi se détifie à part Sayyiduna Othman radiyallahu an. Sayyiduna Uthman radiyallahu an, li ti fait nikah avec Sayyida Ruqayya radiyallahu anha, nous n'avons pas de tifi, et après Sayyida Ruqayya radiyallahu anha, l'ingain se wafat, quand l'ingain se wafat, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fait nikah de ce deuxième tifi, Ummu Kulthum radiyallahu anha, à Sayyiduna Uthman. Et finalement, lui aussi, Ummu Kulthum radiyallahu anha, lui aussi, il y a une souffrance à sa location, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, si moi tu es encore tifi, moi tu peux donner le nikah de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an. Sa qualité zam, tu étais. Azouti, il y en a beaucoup fait Ali, Ali, très bien, nous sommes contents Ali, mais pas oublier, Ali radiallahu anhu, il fait nikah avec un tifi de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Fatima qui sont maqam martaba, bien haute, les chefs de madame de Jannah, très bien, mais pas oublier sa réalité là, que Hadrati Uthman, il fait nikah avec deux tifis de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, un après l'autre, et nous Nabi dit, si moi j'ai encore tifi, moi je vous donne le nikah de Sayyiduna Uthman, radiyallahu ta'ala an. À cause ça, Sayyiduna Uthman, radiyallahu ta'ala an, il est connu comme Zun-Nurayn. Ce titre, c'est Zun-Nurayn. Zun-Nurayn veut dire, celui qui possède deux lumières.
Alors, il y en a des lumières. Qui des lumières? Ça détifie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui tient dans son nikah un après l'autre. Sayyiduna Uthman radiyallahu ta'ala li tifia hijrat vers Habasha. C'est-à-dire, avant hijrat vers Madina Munawwara, certains musulmans tifia hijrat vers Habasha, Abyssinia, qui trouve dans l'Afrique, parce que dans Mecca, tu peux subir beaucoup de zulm. Et Sayyiduna Uthman radiyallahu anhu, l'étif fait sa hijrat là, accompagné par son madame Ruqayya. C'est-à-dire, avec sa famille, l'indako quitte Mecca, elle donne l'autre continent, elle donne l'autre pays, pour les préserver ce din. Vous pouvez comprendre? Azoti, nous, din in vin dernier pour nous. Din in vin dernier. Mais Saban Sahabala din ti premier. Papi capable pratique din dans Makkah, l'indako kit Makkah. Pas ceci, avec son madame qui est tifi de Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Uthman radiyallahu ta'ala an nin fait beaucoup de donations. Talala nunjaw, da Madina Munawwara, pachena de l'eau, et que pachena de l'eau, l'inaste puis, et l'in fait ça wakf ou ban musulman. N'importe qui s'en a envie vin boire de l'eau depuis de sa puits là. Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu an, nous gagne un hadith parit de Jami' al-Tirmidhi. Hadith numéro 3700. Très joli hadith. Li mentionné, an Abdirrahman ibn Khabbab radiyallahu ta'ala an. Il dit, qala shahidtu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yahuthu ala jaysh al-usra. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, une fois, l'ipé cause avec ban sahaba. L'ipé dit, oh ban sahaba, supporte sa l'armée de ban musulman qui peut faire jihad. Ban musulman t'ena pour faire un jihad bien difficile. Djanget Tabouk, t'en bataille bien dure pour ban musulman. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, avant sa bataille-là arrivée, il débouté parmi ban sahaba, et il peut dire, oh ban sahaba, aide musulman, donne cette donation, amène cette contribution. Faqama Uthman ibn Affan, allo Sayyiduna Uthman radiyallahu ta'ala an, il débouté. Et vous connaissez qu'il dit, ya Rasulallah, alayya miyatu ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah. Déjà, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, m'opé prend responsabilité pour contribuer sans chameau avec tout ce qui est important, pour contribuer ça dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Sans chameau. Imagine sa valeur. Et sans chameau, avec ce saddle, avec ce water skin, déjà tout ce qui est bizarre, ensemble avec un chameau pour capable de servir lui, Hadrati Uthman radiyallahu ta'ala an dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam on peut prendre responsabilité pour donner ça dans le chemin Allah. Thumma hadda 'ala al-jaysh Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam les contient. Hadrati Uthman il annonce donation mais visait en co-contribution. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam les contient au ban sahaba contribuer en co. Nous visons en co-donation, nous visons en co-contribution. Sayyiduna Uthman, radiyallahu ta'ala, l'irait débouté. Il va dire, moi, tu finis de donner ta l'air là, à faire qui fait mon bizarre donner. Non. L'yéna, Allah, il me donne et il peut donner le chemin à Allah. Et comment vous connaissez quand vous donnez le chemin à Allah, en réalité, vous pouvez save pour account d'akhirat. Vous pouvez pas dire ça. Quand vous pouvez donner le chemin à Allah, et on peut donner de place qui bizarre, on peut donner que de bandimoun qui, pour qu'aucun l'argent n'a, ou bien pour mal servir l'argent n'a, non. On donne de place qui bizarre, ça peut être économisé pour akhirat. L'idée bouteille, l'idée, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, alayya, miyata ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah. L'idée, ya Rasulallah, on peut donner 200 chameaux de chemin Allah. 100 000 200. Il double l'idée. 200 chameaux de chemin Allah, et avec ce saddle, avec ce water skin, mais avec tout ce qui est bizarre, me pour donner de chemin Allah. Fisabilillah. En d'autres mots, Kalinja Fisabilillah, l'Ipa Piatan n'a rien en retour. Mais donner de chemin Allah. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il acceptait ça, mais nos nabis, ils ne trouvaient que bizarre en co-donation.
Alors, hadith la jano, thumma haddu ala al-jaysh, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les récoses avec ban sahaba, éligés avec ban sahaba, aider, contribuer dans le chemin Allah. Cette fois-ci, Sayyiduna Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala an, les redéboutés. Dijaya, ya Rasulallah, alayya thalathu miyati ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah. Dijaya, ya Rasulallah, moi vous donne 300 chameaux avec tout ce qui est important, nécessaire avec ça dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. 300 chameaux. Ça, c'était l'équerre et générosité de Sayyiduna Othman, radiyallahu anhu. C'est un moment difficile, mais l'une donnée de chemin à Allah, et qu'il colle une donnée, alhamdulillah, ben, musulman fait une service à. Et musulman fait une bénéficie avec ça. Sa sahabi qui peut rapporter ça, lui dit, fa'ana ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yansilu anil mimbar. Lui dit, on trouve Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut descendre depuis le mimbar. Nos Nabi, tu es bien content. Othman, il contribuait autant. Nos Nabi peut descendre depuis le mimbar. Wa huwa yaqul, et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut dire, ma ala Uthmana ma amila ba'da hadhihi, ma ala Uthmana ma amila ba'da hadhihi. Dijia, n'importe qui Uthman fait après ça, li pas pour un problème maintenant. N'importe qui li fait après ça, li pas pour un problème maintenant. Uthman radiyallahu ta'ala an, li n'fait une qualité neki comme ça, qui Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin apprécié. Samem Sayyiduna Uthman radiyallahu ta'ala an, nous gagne un ayat de Quran sur Al-Baqara, ayat numéro 262. Allah subhanahu wa ta'ala dit, alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ban celui qui dépense du bien dans le chemin Allah. Et ben celui qui dépense du bien dans le chemin Allah, selon tafsir Khazin, c'est Sayyiduna Uthman et Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf. Déjà, ayat Quran fin descend pour faire éloge de Sayyiduna Uthman, radiyallahu an. Allah dit, ben celui qui dépense du bien dans le chemin Allah. Ensuite, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Et ensuite, ça va dire, ne veut pas reprocher. Qui me dépense autant de chemin Allah. Je ne suis pas pour reprocher. Et ni je ne peux donner taklif après ça. Alors, Allah dit, lahum ajruhum inda rabbihim. Ça m'a dit, mon nom, je t'ajre, je t'sawab, je t'récompense, li auprès de je t'rab, wala khawfun alayhim, wala hum yahzanun. Et ça m'a dit, mon nom, je t'pena aucun khawf, aucun chagrin. Le Coran, donc, peut faire éloge de Sayyiduna Uthman, radiyallahu ta'ala an. Sayyiduna Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala an, apporte ça. Sa contribution qu'il a amené pour sa ummat là, est énorme, il est connu comme Jami'ul Qur'an. Alors, rappelle bien, premier celui qui fit une collecter Qur'an, c'était Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu an. Mais arrive de Zamana Sayyiduna Uthman radiyallahu an, tiena une certaine divergence de parmi les musulmans, de façon qu'ils ont pu lire. Sayyiduna Uthman radiyallahu an, un parmi les plus grands travail qu'il a fait pour sa ummat là, c'est qu'il réunit sa ummat là, le seul Coran. Il tire, il élimine sa divergence là. Que ça l'est connu comme Jami'ul Qur'an. Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an, le troisième khalifa de les musulmans. Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an, dans ce zamana, au commencement, pas qu'il n'y a aucun problème. Travail, tu peux faire comme un bizan. Mais avec le temps, finalement, l'ennemi qui finit commence à faire un complot. Vous connaissez comme musulman fait progrès, beaucoup de monde pas pour content. Parfois, malheureusement, dans nos propres dimons là-même, il n'est pas content. La jalousie. Et parfois, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, je ne suis pas content du progrès de les musulmans. Et quand je fais un complot, des fois, je même déguise comme musulman et je deviens, je prétends être musulman et après je fais fitna. Quand on lit l'histoire, brièvement, je dis, ou pour trouver, il y a une personne qui s'appelle Abdullah ibn Saba. Sa personne, Abdullah ibn Saba, il tient juif, il pas tient musulman. Mais il déclare être musulman. Et il nal de différents endroits pour sème des autres, pour faire fitna, pour cause contre Sayyiduna Uthman, radiyallahu ta'ala an.
Il allait déjà avec Ban Ki-moon. Oh Ban Ki-moon, pas Othman qui utilise un khalifa, dans sa place, Hadrat Ali qui utilise un khalifa. Et des autres commençaient là. Et ça, l'époque-là, il n'y a pas de chaîne. L'époque, comme aujourd'hui, si il y a un problème quelque part, tout de suite, on finit codé. Ça, l'époque-là, si dans Basra, dans Koufa, dans Cham, il y a un problème, il y a une fitna qui peut lever la tête, les pour prendre où peut-être des semaines ou bien des mois, tout ça, mais ça vient contre Khalifa, afin que Khalifa est capable de prendre une sanction contre ça. Moyen de communication, pas comme aujourd'hui. Alors, c'est Abdullah ibn Saba, il y allait, il met des autres de parmi les musulmans, il remplit les oreilles de les musulmans contre Khalifa. Et sa personne-là, celui qui est le premier fin faire plus grand fitna, une parmi les plus grand fitna dans sa ummat-là, et sa fitna-là, on connaît qui était, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ça peut continuer, c'est cause mentir au Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour les capables, couillon ban musulman, il invente ban fausse hadith. Il invente ban fausse hadith, il attribue ça à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ah, tu connais, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam finit ça concernant Ali. Il finit ça concernant telle personne pour mettre des autres. Abdullah ibn Saba, c'est la première personne. Quand nous gagnons dans une collection hadith, vous connaissez, si vous posez une question là, qui hadith finit rapporté par plus beaucoup de sahaba dans toutes nos collections hadith, par milliers de hadith, c'est là. Gros livre hadith, c'est là. 30-40 volumes, gros livre hadith, c'est là. Moussanaf ibn Abi Shayb, même où il y a 30-40 000 hadith, Moussanaf de Imam Ahmad, rempli avec hadith. Mais vous connaissez plus hadith qui finit plus rapporté par plus beaucoup de sahaba, c'est un hadith. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit « Man kazaba alayya muta'ammidan fal yatabawa maku'adahu minan nar » Celui qui cause menti par exprès au moins, lui prépare sa place de Jif et Jahannam. Plus beaucoup de sahaba, ils rapportent ça hadith. Alors on dit, un fitna qui est là, tout ce qui nous gagne, le WhatsApp, le Facebook, nous n'est que cher. Vraiment, tu nous pas prendre compte. Fais attention. Et parfois, quand nous causons aussi, nous pas qu'on dit, mais nous pensons, comment dire, par exemple, mon écoute un bayan, mon fini min un ali medin, mon gain droit pour ce qui m'ont envie, concernant din, menti. Faire bien attention, si ce qui ou péché est là, c'est un faux hadith, c'est un hadith maudour, c'est un quelque chose qui nous n'a pas dire ou bien pas faire, ce gouna, il est bien grave. Et là, mon ulama, fin même dire, c'est kufr, il m'a m'joué. Mais l'opinion qui, la majorité, ben, on l'a mal, là, c'est que c'est un grand gouna. Abdullah ibn Saba, c'est la première personne qui fin, commence sa fitna là. Et là, là l'histoire montre nous qui finit là, ben, on l'a mal, qui nous dédie cette la vie, juste pour ses pas, hadith, fabriqué, depuis, hadith, qui vraiment, nous n'avons, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, ben, on l'a mal, cette contribution, il est extraordinaire. Sayyiduna. Othman ibn Affan, radiyallahu ta'ala an, l'in contribuer, nous cause sadaqa, l'in donner beaucoup de chemin à Allah, nous ne fait qu'écouter. Le son qui est là, c'est quantité qui est là, aussi contribuer de chemin à Allah. Mais quelqu'un qui a dit, vous connaissez, moi, mon pays n'a autant l'argent. Moi, mon pays n'a autant. Alors, si vous payez autant l'argent, quantité où est là, un roupie, des roupies. Ça aussi, vous pouvez contribuer, non? Donne de chemin à Allah. Et aussi, nous dit, ben, qui ramasse contribution. Hein, n'importe quelle organisation qui peut faire travail à cause Allah. Si vous pouvez ramasser contribution, un jour, vous avec 5 roupies. Il dit, vous pouvez donner ça, servir-les dans votre travail. Qui m'a besoin de faire? Vous retournez, vous là, avec tous 5 roupies qui m'ont à faire? Jamais, hein. Jamais va faire ça. Vous ne connaissez pas 5 groupies qui sont dit, vous venez amener là, avec sa sincérité qu'il est amené là, il vaut plus que sa 5 millions qui est un tel milliardaire pour venir donner. Il peut donner à cause Allah. L'autre là, nous ne connaissons nous pas, nous pas juge qui qu'elle. Possible, il peut donner pour montrer, dit moi. Mais qui est meilleur? 5 groupies là, ou bien 5 millions là? Aujourd'hui, nous sommes money-minded. Nous sommes money-minded. Avec 5 roupies qui te peut donner là, qui a à faire? Non, jamais. Peut-être qu'il y en a autant même. Ça, 5 roupies là même, beaucoup pour lui. Ça, 100 roupies là même, beaucoup pour lui. Et il peut amener, il peut de nous. Alors, apprécier sa contribution.
Prends ce contribution, apprécie ce contribution et servis-le d'achever Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi rapidement, un hadith que nous cause sadaqa. C'est pas juste donne l'argent, non. Sadaqa est bien vaste. Tous les jours, nous avons fait sadaqa. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce parole, hadith parait de Tirmidhi. L'ijé tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dit te faire un sourire à ton frère musulman, ça aussi lui compte comme un sadaqa. On fait un sourire avec un frère musulman, ça aussi lui compte comme sadaqa. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka anil munkar sadaqa. Ou montrez-lui ce qui est bon et ou empêche le mal, ça aussi compte comme sadaqa. Il pas connaît ce qui est bon, ce qui est correct d'après l'islam, ou montrez-lui, ça aussi compte comme sadaqa. Wa irshaduka rajula fi ardi dhalal laka sadaqa. Enjimoun in perdi chemin. Hein, il peut aller là, il peut aller à Pau, il peut pas connaître que pour aller. Ou montrer le chemin. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit ça aussi, sadaqa, ça. Et nous dit, il y a des qualités de chemin. Il y a un chemin, sa physique qui nous trouvait là. Après, il y a un chemin, sirat et mustaqim. Chemin qui est vers Jannat. Si montrer un djimoun chemin, amen, ça aussi fait au gain sawab, sadaqa, certainement, ou montrer un djimoun sirat et mustaqim, c'est quoi? Pour qu'il est capable de Jannat, ça aussi compte comme sadaqa. Si vous êtes capable donc aider pour propager le message de dîn, aider au gain sawab sadaqa, inshallah. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit wa basaruka lir rajul radi il basar laka sadaqa. Ou guet pour celui qui n'est pas trop trouvé bien, ça aussi compte comme sadaqa. Parfois, un vieux maman, un vieux papa, il vient écouter ses enfants bêta, mon papa est trop trouvé, guet un coup de kéna là-dedans. Ben nous sommes tellement occupés avec nos Facebook, avec nos télévisions, avec nos football. Nous disons, saute là à l'État. Tu vas guetter toi-même. Nabi Karim veut dire, tu guettes pour celui qui n'a pas trop trouvé, ça aussi compte comme sadaqa. Et si vous pouvez guetter ça pour vos parents, vous pouvez faire khidmat aux parents, ou sawab dit beaucoup plus. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit wa imma atatuka al-hajar wa shawkata wal-azma an at-tariq laka sadaqa. Ou avance un rose, ou avance un léseau, ou avance un piquant depuis le chemin. Vous pouvez marcher ou trouver un rose le chemin, un piquant, un coulou le chemin. Il est capable d'un juto, un dimon, n'importe qui s'en a l'égard d'un juto, un animaux. Ou donne 2-3 secondes ou la vie pour tirer sa rose là. Personne va trouver, pas faire non yé, Rabboul Alamin, fin trouver, ou gai sawab l'ola. Ou gai sawab l'ola. Et aussi, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dit, wa ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqa. Ou prend de l'eau qui est là, on a tiens de l'eau d'un puits, on a de l'eau d'un océan, ou frère musulman, c'est un musulman, fait que vini, l'ipial tiens de l'eau, ou qui vous fait ça de l'eau qui vous finit de tirer là, ou prend ou mettre ça dans ce CO, ça aussi compte comme sadaqa. Hein? Ça aussi compte comme sadaqa. Ça c'est nos dînes, ça. Ça c'est beauté de nos dînes. Nos nabis, ils donnent nous plusieurs façons qui sont capables de contribuer pour sa dîne, pour gagner le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les sincères. Man qui donne le chemin à Allah, donne avec la main droite qui nous la main gauche n'a pas connu. Elle a accepté nos donations qu'il nous fait, et Allah Ta'ala aide les musulmans, surtout les musulmans palestiniens. Pour ceux qui m'en ont passé, c'est bien, bien dur. J'ai fait beaucoup de droits pour les gens. Allah aide les gens. Wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.